Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue donc dans la suite de ce DLC consacré à Mass Effect 2 qui s'appelle L'Arrivée. Et donc après avoir récupéré le scientifique qui avait la preuve irréfutable de l'arrivée des moissonneurs, nous l'avons donc fait sortir d'une prison de butariens, eh bien nous allons essayer d'aller voir cette preuve. Que reste-t-il à faire pour terminer le projet ? Tout était déjà en place quand on m'a arrêté. C'était plus une question de quand que de comment. Quelles sont nos possibilités ? Quoi que nous fassions, les moissonneurs atteindront ce système. Mais le relais Alpha est leur seul lien direct vers le reste de la galaxie. Pour les tenir à distance, notre seule solution est de détruire le relais. Allez, là, là. Allez, allez, bâtard. Je peux pas aller voir l'artefact. Ah, le teasing, le teasing. Donc, et oui, et donc voilà, donc l'une des possibilités est de détruire le relais cosmodésique, mais ce qui signifierait la mort de plusieurs centaines de milliers de butariens. Cependant, d'un autre côté, il semblerait que, selon les dires du docteur et selon ce qu'elle a vu dans l'artefact, les moissonneurs ne seraient qu'à 2 jours d'arrivée dans la galaxie. Ce qui nous laisserait quand même très peu de temps pour nous préparer, si tant est qu'on puisse se préparer. Là, à mon avis, hein, ça va être assez compliqué. Nous devons relancer le projet. C'est sans doute notre meilleure chance. Un instant, je vous ouvre la porte. Ah bah, c'est gentil. Commandant Shepard, voici l'objet Rho. Vous avez laissé l'artefact ici ? Sans protection ? Quand nous l'avons trouvé, il m'a montré une vision de l'arrivée des moissonneurs. Kenson, ça me plaît pas tout ça. Patience, Shepard. Vous aurez bientôt votre preuve. Je ne peux pas vous laisser reprendre le projet, Shepard. Personne ne doit barrer la route aux moissonneurs. What the fuck? Donc c'était vrai alors. Ah, ils sont tous endoctrinés. Ah, là ça chauffe. Arrêtez-le! Allez, tire! Ah non, je sais pas, merde, elle était à 2 mètres. On dirait moi quand je joue à Overwatch. Allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je viens d'arriver là, tranquille. Don't excite you too much. Ah là là, une grenade assourdissante. Bien, nous sommes un peu. Voilà. Là, prendre des risques un peu. C'est pas encore totalement chaud patate, hein. Et des armes à haute vélocité. Ne résistez pas. Rendez-vous sur les lames sous. Mais bien sûr. Aïe. Ah mais ils sont combien ces cons? Là ça pique. Là je suis mal, là je suis mal. Bon sang mais Shepard est incroyable. Hé hé. Ah, la boule magique. Ah, que toi tu vas prendre. Bien, c'est pas grave. Il faudrait des armes, il faudrait de la munition. Ok. Soyons. Non mais toi t'es folle. Galaxie est en vue. Votre fin est proche. Ah.
pique. Les bâtards, ils sont tous là. Ah, c'est trop chaud là. Ah mais ok, je croyais que c'est ok. On peut pas s'en sortir en fait. C'était scénarisé. Emmenez-le à l'infirmerie et soignez-le. Elle doit rester en vie. Pourquoi elle? Je suis un homme. Ouais, donc au final, on est obligé de mourir. Bon. Ça me rassure un peu. Ou pas. Si, on était obligé. On était obligé. Il se réveillait. Fausse alerte, bien heureusement. Non, regarde, les sédatifs ne fonctionnent pas. Sécurité. Très lol. Oh là, ils sont mauvais. Ils sont... Ah, tu fais de la maligne, toi, par contre. Pas d'armes, y'a pas d'armes. Éloignez-vous de ce terminal. Bien sûr. Le projet touche à sa fin. J'aurais pensé éprouver un sentiment de fierté, mais au lieu de ça, j'ai peur. Je n'arrive pas à m'ôter de l'esprit que nous sommes sur le point de faire une terrible erreur. Le projet touche à sa fin. Aha. J'aurais pensé éprouver un sentiment. Je n'arrive pas à m'ôter de l'esprit que nous sommes sur le point de faire une terrible erreur. Je suis un mecha. Et je vais te tuer. Ah. Tout ceci s'annonce très mal. Il semblerait que je sois invincible. Ah, nous avons. C'est pas grave, j'ai 70 mechas à disposition. Par contre, c'est vrai que j'ai pas vu sur ma vie. Je déteste cette arme. Aïe, je suis très mauvais. Heureusement, j'ai vie infinie. Non, concentration. Je me meux de manière tout à fait naturelle. Est-ce que je peux aller là? Oh, est-ce qu'on peut faire le truc avec le bonhomme sonore? C'est fermé. Non, allez, c'est un peu chiant. C'est très lent. Déconnexion. Shepard a réussi à s'échapper. Tout le personnel disponible, rendez-vous dans l'aile médicale. Ah mais non, mais laissez-moi tranquille. Ne le laissez pas activer le projet. Ah, et là, pas il le dit. Temps traîner. Je vais tous vous tuer. Je dois mettre en marche cet astéroïde et me tirer très loin d'ici. Alors attends, parce que j'ai vu qu'il y avait un truc par terre. Datapad. Shepard est sous sédatif depuis 2 jours. Nous avons dû augmenter les doses. Il y a 5 minutes, j'ai même cru qu'il se réveillait. Fausse alerte, heureusement. Non, regarde, les sédatifs ne fonctionnent pas. Je me suis réveillée ce matin, trempée de sueur. J'ai encore fait le même cauchemar. Un vaisseau gigantesque détruisant la citadelle et réduisant mes amis en poussière. Je le vois encore quand je ferme les yeux. Qu'est-ce qui m'arrive? Dès que je suis seul, j'entends des voix étranges dans ma tête. Des murmures incompréhensibles. J'en ai parlé au docteur Kenson, et elle a semblé comprendre le problème. Mais moi, je ne comprends toujours rien. L'endoctrinement, mon ami. Alors, déverrouillons ceci. Ah ah ah!
bien la sécurité. Il est passé. Ah, attention, là maintenant c'est vengeance. Ah oui, c'est ce que je pensais. Surprise! Ah, ça va faire un peu moins les malines. Neutralise. J'étais venu filer un coup de main. Ne laissez pas Shepard atteindre la salle de contrôle. Début du protocole de sécurité maximale. Shepard est dans les quartiers de l'équipage. Fermez la salle de contrôle. Oh là là. Oh là là, oh là là, c'est dégueulasse. Ah, toi, tu t'es donné un petit peu trop fort. Aussi. La grenade. Ah, mais manche. Quand on recharge pas découvert, c'est une règle. Oh là là, j'en touche pas une, c'est une catastrophe. Ok. Ceci est une catastrophe, on ne touche pas. Récupérer les pièces de la méca. Récupérer de la munition. On est plutôt bien. Ici on a une porte. Est-ce qu'il y aurait des choses que j'aurais ratées? C'est important de connaître un peu l'or global pour prendre la bonne décision. A priori, on est bon. Shepard est en train de nous mettre en pièce. Regroupez-vous. Ouais, mais les mecs, je suis Shepard. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez-y, utilisez plus là. Alors. Ça va faire beau. Ouch. Ok. Pas prendre de risques. Être greedy, c'est mourir. Oh. Ah. Meurs. Ok. Rien d'autre ici. Coffret. Ah, log de recherche. Kelson est bizarre depuis quelque temps. On dirait presque qu'elle se désintéresse du projet. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec ses rêves que nous faisons tous. Ah. Elle répète sans cesse que les moissonneurs arrivent. Mais je ne saurais dire si c'est de la peur ou de l'espoir que j'entends dans sa voix. Ah. Donc en fait, ils arrivent vraiment. Ingénieur du projet, c'est quand même. Brûle, je sais pas. Oh. Comment ça me parle mal? Il va falloir apprendre le respect par contre, tu n'es qu'un petit ingénieur. Dès comme toi, j'en mange tous les matins. Vous ne passerez pas, Shepard. Ok, donc on peut me faire brûler. J'en touche pas une, c'est une catastrophe.
le skill n'est plus là. Je pense qu'il a pris un peu cher. Alors, le prochain. Lui ou lui? Ah, évidemment. Il y en a marre. J'en ai marre, je le dis. J'en ai marre. Manque de respect envers Shepard n'est pas tolérable. Et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ne l'oubliez pas. 41 balles. Plus le temps passe et plus je suis convaincu que le projet est une ineptie. Après tout, que savons-nous vraiment des moissonneurs? Ah. Rien ne prouve qu'ils représentent une menace pour la galaxie. La vie existe encore en dépit de leur prétendue soif de destruction, non? Ah, effectivement, un endoctrinement a été repéré. Ah, on nous attend. Ok, ça touche. Tu vas cramer, je sais pas. Oh, ça parle mal. Oh, attendez. On va d'abord les attendre un par un. Elle était plutôt bien placée. Le bâtard! Le bâtard! Putain, je l'ai vu arriver. Ah, c'est la mort. C'est la mort. Hein. Le lance-flamme ne pardonne pas. Et oui, le lance-flamme ne pardonne pas. Putain, le lance-flamme. Allez, c'est pas grave. Shepard se dirige vers la salle de contrôle. Ouais, c'est fait autrement. Qu'est-ce que vous attendez? Allez! Ils nous ont vus. On a bien touché, hein. On a marre. Non mais sans déconner. Oula. Oula là. Ah t'as peur hein. T'as peur mon coco. Ensuite la violence. Et le pyro il se barre. Non, pyro en cac, je suis foutu. Tu vas cramer, je sais pas. Reviens. Mais je veux pas. Si je reviens. Petit coup de bouclier dans la gueule. Mais viens! Oh là 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 là, c'est la panique. C'est la panique dans les chaumières. Brûle, je sais pas. Et comment ça? Ah là par contre ça va être compliqué pour toi.
gars, je t'annonce. Je te l'annonce tout de suite. Brûlé. Et voilà. Ah mais il y a ton petit frère qui est là. Et on est bien, on est bien. Ça va chauffer. Restons concentrés. Tuer les pyro barbares. Ensuite. Ça va chauffer. Ça c'est clairement ce que j'aurais dû faire dès le départ. J'étais bien trop con. Bien trop con, j'aurais dû reculer. Je me suis fait baiser comme un débutant. Et c'est bien fait pour ma gueule. Jugez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Lance-flamme au cac, ça pique. Voilà, on pourra retenir ça, je pense, comme. Comme philosophie. Il nous reste une heure. On a le temps, on a le temps. On a le temps de faire le tour. De vérifier qu'on n'a rien oublié. Ah, la porte est fermée. De toute façon, on n'a pas le choix. Utilisons les commandes du moteur. Bienvenue dans la salle de contrôle. Merci. Je veux activer le projet. Attention, l'activation du projet entraînera des pertes estimées à 305 000 victimes. Souhaitez-vous continuer? Est-ce que j'ai le choix? Ah! Ah, mais en fait, on n'a pas le choix. Prochaine porte d'activation. Attention, collision imminente avec le relais cosmodésique. Début de la procédure d'évacuation. Alerte à tous les colons du système BAG. Ici le. Non, Shepard, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai pas le choix. Comme je ne peux pas arrêter cet astéroïde, je dois le détruire. Où se trouve le docteur Amanda Kenson? Le docteur Kenson se dirige actuellement vers le réacteur. Je vais faire exploser le réacteur. Par votre faute, nous allons tous mourir sur ce caillou. Pas si j'arrive à vous trouver avant. Oh là là. Oh là là. La violence. Une violence extrême s'est abattue sur ma gueule. Je confirme. Ça me fait chier d'avoir bouffé des munitions tout de suite là comme ça. Non. Donc ça doit être... Merde, en bas, putain. C'était fermé, ouais, c'était fermé. Il y avait rien. Il y avait rien. N'essayez pas de m'arrêter, Shepard. Je ne changerai pas d'avis. Bah, je vais vous tuer. Kenson, ça suffit. Je n'hésiterai pas à vous tuer s'il le faut. Bien, vous ne me laissez pas le choix, Shepard. Nous sommes condamnés. Il n'y a pas de rédemption pour ce que vous avez fait. Je vais mourir sans avoir reçu la bénédiction des moissonneurs. Et vous allez mourir, vous aussi. Merde, Kenson. Ah merde. Bien joué, Shepard, cache-toi. Bien sûr, viser au milieu, hein, toujours très très utile. C'est une technique employée par les spectres depuis des millénaires. Ah, par contre,
Attention, attention, la moindre erreur se coûte cher. Shepard est coincé, ne le laissez pas filer. Mais non, je suis pas coincé, qu'est-ce que tu racontes? La porte est cassée. Ici on ne peut pas y aller. De l'élément 01 récupéré. Ah! 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 Je sais que j'avais fait exploser le truc. Non, on va pas la démonter avec une arme lourde. Mais... un peu de respect. Protocole de sécurité annulé. Augmentation de la température du réacteur. C'est fini pour toi, Shepard. Franchement, les gens. Parler tellement mal, j'ai même pas envie d'être gentil. Brûlez. Ah oui. Le feu. Demander un autographe à Shepard, bordel. Commande de refroidissement, est-ce qu'on a d'autres choses? Comment faire pour stabiliser le réacteur? Tous les protocoles de sécurité ont été annulés pour stabiliser le réacteur. Insérez manuellement la barre de refroidissement A de ce poste de contrôle. Insérez manuellement la barre de refroidissement B du poste de contrôle B. Cette procédure stabilisera le réacteur. Barre de refroidissement A. J'ai besoin de temps, allez, entrez là-dedans. Allez, allez mourir quoi, bordel. Ça pique. Mais tu es mort, tu ne t'approcheras pas de moi. La dernière fois, je me suis fait baiser un. Ventilation du plasma annulée. Je me suis fait baiser un truc de l'infirmerie en fait. J'aurais pu faire des économies quoi. Mais non. Oh. C'est normal que ça s'ouvre tout seul. Déjà il me fera plus chier. Oh 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 oh. Bien joué le rush.
Franchement, respect. C'est un échec. Verrouillage de sécurité annulé. Ah mais je suis inarrêtable les mecs. Appelez-moi Unstoppable. Oh ah. Combo. Bon, on s'en sort pas trop mal, une petite erreur d'appréciation sur le pyromane. Donc, voilà, ça arrive. Alors, apparemment pas de pyro barbare. Stop. Ouais, le pyro, pas de cac. Je le baisse, le pyro. Ah, le bâtard, il est là. Aïe.
Ah, la petite pupute. Ça va, on s'en sort bien. J'ai vraiment cru encore y passer avec le Pyroman. Mais non, c'est bon. On a réussi à le gérer. Déverrouillons cette porte. Ah, ça reste assez facile. Hein, parce que... Allez hop. Le petit B. Barre de refroidissement B inséré. Fusion du réacteur interrompue. Diminution de la température. Vous avez fait tout ça pour rien, Shepard. Je peux encore surcharger les moteurs. Oh, tu me fais un peu chier par contre. Éloignez-vous du réacteur. Vous avez tout gâché. Ils ne veulent plus me parler à présent. Retournez-vous. Tout de suite. À cause de vous. Je ne verrai jamais l'arrivée des moissonneurs. Ah. Pourquoi vous êtes-vous ? La gueule. Voilà, il y a un moment, stop. Stop. N'appuie pas sur le bouton. Attention, collision imminente. Attention, collision imminente. Bon bah la collision a toujours lieu, c'est déjà pas mal. Collision imminente. Non, je suis dans le caca quoi. Attention, collision imminente. Mais merde. Attention, collision imminente. Joker, ici Shepard. J'ai besoin de vous, tout de suite. Système de communication endommagé. Merde. Début du protocole d'évacuation. Dirigez-vous vers les navettes de secours. Où se trouvent les navettes? Prenez l'ascenseur vers l'accès externe. Puis dirigez-vous vers la tour de transmission. Les navettes se trouvent sur la plateforme d'atterrissage de la tour. Je dois atteindre la tour et prendre une navette. C'est ma dernière chance. Allez. Alors. On va toujours me taper dessus, je pense. Ça va juste être une course-poursuite contre la montre. Vous avez tué le docteur Kenson. Vous êtes vraiment un bâtard. Mais que se serait-il passé si j'avais pas tiré? Ah ah. Qui sait? Ça pourra toujours servir. Bien sûr. Ouais, comme quoi, hein. Hop hop hop, on fouille, on fouille. Là, c'est fermé. Attention, collision imminente avec le relais Alpha. Évacuation recommandée. En fait, j'ai tué toute la base. Attention, collision imminente avec le relais Alpha. Évacuation recommandée. Pressurisation du sas. Ouais, alors j'irai peut-être pas jusque là, mais donc il file un coup de main. Allez. Ok, oh le relais, il est beau. Ok, donc ce ne sera pas une course. Essayer d'en tuer un maximum avant d'être débordé. Les boucliers sont tombés. Bah oui, bah je m'en doute. C'est la dernière navette.
qui arrive. Ah, je suis dans le caca, je suis dans le caca. Putain, tu veux que je fasse? Ok, il bug. Il m'en veut. Je dérive la puissance. Je peux rien faire là. Là, je peux rien faire. Je monte ma gueule, je suis mort. Oh là là! Compte t'es mort. Bonjour! Lui il est mort. Itinéraire incorrect. Attention, là je peux pas continuer avec lui. Ah le bâtard, ah le bâtard. Ok, donc je suis obligé de le buter quoi. Aha! L'intelligence humaine, motherfucker! Mais moi j'ai joué à Hyperville Sortie, mon gars. Là je t'annonce, tu peux pas me la faire. Attention, attention, greedy, don't be greedy. J'engage. T'es où, t'es où? Évaluation des dégâts en cours. Gars. Allez, bim, mange tes dents. Canal externe ouvert. Ah ouais. Shepard de Normandie, Joker, vous m'entendez? Ouh là là. La révélation. Shepard, vous devenez une gêne. Vous luttez contre l'inévitable. La poussière tente-t-elle de détourner les vents solaires? Le sacrifice de ce système stellaire sera vain. Votre civilisation est condamnée. Bientôt, vos plus grands chefs courberont les chines devant nous. Certains humains ont peur de vous. Ils pensent que vous êtes invincible, mais une fois que le relais sera détruit, ils verront que nous pouvons vous combattre et gagner. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour vous vaincre. Nous trouverons un moyen. Les humains ne renoncent jamais. Votre heure est venue. Votre espèce aura bientôt disparu de la galaxie. Préparez-vous à notre arrivée. Shepard, Normandie en approche. Bien reçu.
Faites-nous sortir de là, Joker. Ouais, quand même. Ah, ça rigole pas là. Bon, strike. Ils butent à rien, ils vont pas être contents. Ils vont tirer un peu la gueule, les butent à rien, je pense. Écoute, moi, on a essayé de les prévenir. Vous avez l'air en forme. Amiral Hackett, vous avez vécu un véritable enfer à ce qu'on m'a dit. Comment allez-vous? Ça peut aller. Je n'ai plus de vision en tout cas. Mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai préféré assurer moi-même votre débriefing. Je vous devais bien ça, Shepard. C'était avant que l'explosion du relais cosmodésique ne réduise un système butarien entier à néant. Que s'est-il vraiment passé, commandant? Avez-vous des renseignements sur ce qui s'est passé? Tout ce que je sais, c'est que je vous ai demandé de libérer Amanda Kenson et que je me retrouve avec un système détruit sur les bras. J'aimerais comprendre comment les choses ont pu en arriver là. Tous les détails sont dans mon rapport. Je n'en doute pas, mais j'aimerais les entendre de votre bouche. Je n'ai pas lu votre rapport, mais j'imagine que vous avez confirmé les allégations de Kenson. Oui. Elle avait en sa possession un artefact moissonneur qui lui donnait des visions de l'arrivée des moissonneurs. Selon vous, la menace d'invasion des moissonneurs était donc réelle ? Oui, bien réelle. On est passé tout près de la catastrophe. Je vois. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Les butariens vont exiger votre tête. Et nous ne pouvons pas nous permettre une guerre contre eux en ce moment. Pas avec les moissonneurs aux frontières de la galaxie. Que voulez-vous dire? Je sais que vous aviez toutes les raisons d'agir comme vous l'avez fait, mais vous avez causé la mort de 300 000 butariens, Shepard. Effectivement, vu comme ça, mais... Leur mort a sauvé des milliards de vies. Si j'avais pu les sauver aussi, je l'aurais fait. Vous prêchez un converti, commandant. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous donnerais une médaille. Malheureusement, tout le monde ne sera pas de cet avis. Non, mais c'est toi qui m'envoie dans la merde. Que suggérez-vous dans ce cas? Les preuves contre vous sont plutôt minces, mais vous devrez rendre des comptes à la Terre. C'est inévitable. Je ne peux rien faire pour empêcher ça. Mais je peux repousser l'échéance. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, à bord d'un vaisseau de Cerberus. Je n'apprécie guère les méthodes de Cerberus, c'est vrai. Mais personne d'autre ne semble comprendre l'urgence de la situation, alors qu'eux, ils agissent pour la galaxie. Donc, pour l'instant, je reste votre allié. L'Alliance est-elle prête à repousser les moissonneurs? Difficile à dire. Plusieurs bâtiments, dont le Destiny Ascension, ont été nécessaires pour détruire le Sovereign. Je n'ose pas imaginer la puissance d'une flotte entière de moissonneurs. S'ils attaquent en force, nous sommes condamnés. C'est clair. L'Alliance s'inquiète de la réaction des butariens? Il y a de quoi. Depuis notre arrivée sur la scène galactique, les butariens cherchent un prétexte pour nous déclarer la guerre. Notre seule chance de survivre à une invasion des moissonneurs, c'est de présenter un front uni. Une guerre contre les butariens nous condamnerait à coup sûr. Merci, amiral. Pour l'instant, faites comme si de rien n'était. Mais tenez-vous prêt à comparaître devant un tribunal. En attendant, gardez ça. Je n'ai pas besoin de lire votre rapport pour savoir que vous avez pris la bonne décision. Oui, amiral. Vous avez fait du bon boulot, commandant. Eh ouais, mais en attendant, bah,
Qui c'est qui se fait baiser? C'est Bibi. Voilà. Toujours faire plaisir et... baiser. Félicitations, vous avez acquis un niveau supérieur. 250 points d'expérience. Intéressant. Point de commando, résumé de la mission. Le docteur Amanda Kenson a été libérée de sa prison butarienne sur la planète Aratoth, et Shepard a confirmé ses preuves d'une invasion des moissonneurs. Kenson, sous l'emprise d'un artefact des moissonneurs, a capturé le commandant. Après sa fuite, Shepard a activé le projet détruisant le relais Alpha, et mettant ainsi la fin à l'invasion des moissonneurs. Le docteur Kenson n'a pas survécu, le système Baak et ses habitants ont été anéantis. C'est vrai que vu comme ça, le rapport prête pas en ma faveur. Eh bien écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Voilà, c'était la fin de ce premier DLC consacré à Mass Effect 2, voilà, pour annoncer l'arrivée des moissonneurs et donc probablement l'arrivée de Mass Effect 3. Sachez que voilà, ce petit DLC de à peu près 2 heures, je pense, coûte à peu près, je sais plus, c'est 6000 points, on doit être aux alentours des 8 euros, quelque chose comme ça. Voilà, ça fait mal, ça fait mal, 2 heures, 8 euros. Écoutez, voilà. Hein ? Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de nos aventures sur Mass Effect 2 DLC. Oh le bug. Non, c'est bon. À très bientôt. Ciao, ciao.